Aujourd'hui, dimanche 15 septembre 2019, nous sommes à notre culte. Et ce matin, nous allons écouter le témoignage de notre sœur, la sœur Chantal, qui a expérimenté la puissance de Dieu. Donc ce matin, c'est pour écouter les témoignages de notre sœur Chantal. La sœur va se présenter. Je vous salue au nom de Jésus. Je vais vous dire que je suis une sorcière. J'ai fait du mal, beaucoup de mal. Comme je me connaissais ainsi. Et quand je suis venu ici, quand je suis venu chez le prophète Crasso, il m'a délivré de la sorcellerie. Ça va toi? Oui. Si tu ne vas pas bien, c'est ça que je... Je veux que tu veux que je prie pour toi. Parce que d'abord, hein, ton esprit est très noir. Je sens comme des ténèbres en toi. Et je sais qu'ils t'ont mis dans la sorcellerie, mais il n'y a pas longtemps. C'est ça qu'il faut que je prie pour toi. Il m'a dit ça tout à l'heure. J'ai vu comme un chat. Un chat qui voulait sortir de toi et qui est rentré chez moi. Et là où tu es, là où tu étais, c'est ce noir-ci. C'est devenu noir. Donc tu es devenu plus pas noir. Et puis le pain. J'ai compris le message. Je vais t'aider, si tu veux. C'est pour ça que je suis là. Tu es sorcière. Oui. Hein? Oui, papa. Je t'écoute. Tu as tué 62 personnes. 162 personnes, c'est pas ça? Oui. C'est même moi qui donne la maladie aux gens. C'est pas ça? Oui. Tu crois que la sorcellerie, là, tu donnes des maladies aux gens. Tu les tires les femmes stériles, tu donnes du sida aux gens, c'est pas ça? Tu as donné ton sang à Lucifer, au grand démon qui t'est marié avec lui. C'est vrai? Ça, c'est vrai, tu n'as pas menti. Ça, c'est vrai. Oui, papa. Tu manges les enfants dans le ventre des gens, les fais tous, c'est vrai? Oui. Oui, papa. Je peux t'aider? Oui, papa. Le diable, c'est un monde. Comme tu as vu, si toi-même tu t'es levé en sorcellerie et que tu allais voir chez ton oncle et que tu as vu les anges, comme tu me dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus fort que ce qui est en toi. Donc il faut d'abord avoir peur de Dieu. Il faut commencer à avoir peur. Mais comme je comprends, l'esprit du diable qui est en toi est fort, donc ça va commencer à défier les choses de Dieu. Et comme Dieu a décidé de protéger ta famille, c'est comme ça que Dieu est. Quand Dieu décide de protéger les gens, comment je t'appelle? Chantal. Ah, Chantal, quand Dieu décide de protéger les gens, il faut avoir peur. Il ne faut pas jouer ça. Quand Dieu décide, il faut avoir peur de ça. Parce que la ville, le souffle de ville, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ta main droite, il y a quoi dedans? Chantal, papa, tu veux changer ou pas? Papa, je veux changer. Ça me fatigue. Non, tu ne veux pas changer. Mais vous n'avez pas mis de confession à ta place. Il y a fini déjà. Mais il y a oui. Ton bras droit là. Un serpent au bras. Ton bras droit. Comme tu sais. Son bras droit, c'est-à-dire qu'elle est assise près de toi, qu'elle est celle que tu vas reçu, son bras, elle va comme ça, puis elle qu'on absorbe, c'est ça? Elle aspire, la chambre. Comment vous avez? C'est ça. Tu vois? Comment Dieu, il met toutes choses à lui, enfin. Vous l'avez dit, tu
souviens toi-même ton acte d'or dans ce lieu. Tous les soirs, tu vas faire l'amour avec ton diable sur l'eau. Ça, c'est vrai, papa. J'ai ça même il y a longtemps. Depuis mon enfance. Je connais ce que tu as. On m'appelle Marisha. Mon histoire de Marisha, ça date pas de maintenant. Les gens ils peuvent insulter qu'à soi. Au père, à la date, à la. Mais moi, j'ai un don. Amen. J'ai ce don à ça, j'ai ce don. Et je sais que tu es. Mais moi, mon souhait, c'est que tu quittes le royaume de Satan. Nous nous prions pour que tu quittes, parce que Dieu a besoin de toi. Satan va t'envoyer à l'enfer. Satan est envoyé à l'enfer. Peu importe les dégâts que tu as fait. Peu importe le nombre de gens que tu as tués. Peu importe tout ce que tu as fait. C'est la main de Dieu pour toi qui nous intéresse, qui est important pour Dieu. Il veut te sauver. Il va t'aider. Il veut que les démons sortent de toi. Oui, papa. Tu es prête? Oui, papa. Non, moi, on va la confusion. Je détruis le pouvoir qui est en toi. Je commande. Oui, je commande. Pendant que je parle, cet esprit de serpent en l'air, je commande. Maintenant même, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, voilà, la puissance de Dieu, 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 la puissance de Dieu. Je détruis ton pouvoir. Puis le pouvoir est détruit en toi, détruit le feu, oui, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, la puissance de Dieu. Je commande, je commande, je commande, je brise ce mariage spirituel dans le nom de Dieu. Je brise ce pouvoir qui en est, le pouvoir de la sorcellerie, au nom de Jésus. Voilà, rentre et sauve. Rentre et sauve. Tu rentres et tu dégages. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Voilà, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Tu n'auras plus dans la mer, tu n'auras plus dans cette eau. N'est-ce pas, avoir des rapports avec la vie. La puissance de Dieu. Elle est délivrée au nom de Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous dire, si vous pratiquez la sorcellerie, venez en pardonner la sorcellerie. Changez de comportement, prenez le chemin de Jésus. Quand j'étais une sorcière, je n'avais pas peur de quelqu'un. Aujourd'hui, où nous sommes, où ils sont arrêtés. Si tu es sorcière, si tu es femme ou garçon, viens donner ta vie à Jésus. Viens te confesser. Ce que je peux vous dire comme conseil. Aujourd'hui, quand je suis couché, c'est le feu qui m'entoure. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Je ne rêve plus. Donc, le démon qui couchait avec moi dans la mer, lui et moi, il n'y a plus de la pente entre nous. Je vais vous dire, mes camarades, mes soeurs, je vous en supplie, je vous demande pardon. Venez à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. De la manière que
Et Jésus m'a lavé avec son sang. Et il m'a changé. Et il a changé mon état. Alors nous bénissons le nom de Dieu. Et nous disons merci à son serviteur, le prophète Joël Kasso. Toi qui as un problème de sorcellerie, viens expérimenter plutôt la puissance de Dieu au travers de son serviteur, le prophète Joël Kasso. Je vous souhaite un bon dimanche, bon culte à tous, que Dieu bénisse. Shalom.